Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais dans une voiture, qu'est-ce que je fais dans ma voiture. Eh bien, je suis devant l'école de Crozieux Alexa, j'ai tout de suite me garer, je les ai déposés tout à l'heure, mais là je vais aller les espionner, je devais récupérer un truc à la maison, je vais les espionner pour voir s'ils font des bêtises ou pas, et si leur professeur est méchant avec eux ou elle. Donc avant que la vidéo débute, si vous voulez d'autres vidéos espionnage par rapport à la rentrée, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche notification, mettre un maximum de pouces bleus et le code CHOCO dans la boutique, C-H-O-C-O-H. Pourquoi je chute alors que je suis dans la voiture et que personne ne m'entend? Je suis vraiment stupide. Ok, attendez, je sors. Hop, hop, hop. Oh, ils sont ici, ils sont juste ici. Là, c'est la classe de Lexa. Ok, je vais d'abord commencer par espionner la classe de Lexa, parce que c'était la classe qui vous avait le plus marqué. Parce que vraiment, la classe de Lexa est très bizarre. Oh, je vois la... Mais je suis stupide. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais la prof de Lexa est vraiment trop bizarre. De base, c'était une animatrice. Et elle est devenue, elle a été virée, elle est devenue professeure. Mais elle est vraiment trop méchante, je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite de l'écran, où elle avait frappé. Donc je vais commencer à les espionner. Mais avant qu'on commence à les espionner, Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocoline Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Tu fais ça? Moi, quand je rentre, je regarde la télé, après je joue avec ma maman. Mais tu fais que ça? C'est pas la cour de récréation, là, pour parler. Désolée. On n'a pas fait exprès. Bah, si, tu fais exprès, ta bouche, elle parle pas toute seule, en fait. Mais pourquoi elle parle aussi cru? Mais elle est méchante, la professeure. Oh, en vrai. Anna est trop mimi. Bon, du coup, ça fait combien de 2 plus 2? Ça fait 6? Oh non. Ah oui, d'accord. Cas désespéré, tu vas aller ici derrière. Mais pourquoi? Faire une évaluation ici. Oh non, c'est une évaluation de quoi? Bah, de mathématiques, du coup. Mais. Allez. Mais moi, je sais pas faire. Oh non, la bah, normalement, tu devais prendre un carnet de vacances et faire. Ou durant les vacances, mais à ce que je vois, t'as pas travaillé. Du coup, tu vas faire l'évaluation. Elle sera comptée. Ah, ça se fait pas. Elle est trop méchante. C'est abusé, ce prof. Coefficient 4. Coefficient 4. Oh non, c'est méchant. Coefficient 4. Hein. Oh, c'est vraiment. Oh, c'est une personne détestable. C'est quoi? C'est tu vois, ta note, et bah, c'est la note qui va le plus compter dans l'année. Mais c'est très bien qu'elle est nulle en mathématiques. Elle fait exprès, mais c'est quel genre de prof? Elle est pas... Eh, c'est vraiment une vieille prof, hein. Pardon, mais elle est méchante. Pleure, Loulou, la pauvre. Mais ne pleure pas. Je vais t'aider, moi. Si tu veux, même, je t'invite après chez moi. Ah bon? C'est toi? Ça va pas? Comment ça, il l'invite chez elle? Et grrr, mais elle est ravagée, la petite. Hein. Alors qu'il y a la prof, elle est censée faire un contrôle, là. Merci! T'es trop gentille. Oh non, Lexa... Vous êtes en train de tricher? Ou je rêve? Oh, non. Non. Je vous ai dit que c'était la récré. Bon, c'est bon. Adèle, là, tu m'as énervée. Tu vas aller décurer les toilettes. Et tu vas pas décurer les toilettes des garçons, tu vas décurer les toilettes des filles. Mais c'est une blague. D'accord. Je me cache derrière l'escalier. Viens. Mais what? Mais je devais demander un stylo. Eh bah, ton stylo, tu pouvais le demander à un autre camarade. Pourquoi tu demandes à Alexa? C'est une blague. Parce que je voulais lui demander, j'ai le droit. Mais décurer les toilettes des filles. Bien. Mais je peux pas écurer les toilettes des filles. Mais elle est folle. Regarde, en plus t'as de la chance, il y a que 2 toilettes. Mais what? Du coup, comme tout le monde les utilise, ils sont bien sales. Ah. Donc. Mais je peux pas. Si tu vas le faire. Mais what? C'est toi qui décide. Il est où, la vie scolaire? C'est moi qui vais appeler le proviseur. Attendez, je vais la filmer. Ok, je vais la filmer. Où est le téléphone? Où est l'appareil photo? Oh non, c'est juste. Elle arrive. Ok, je vais vite aller dans les toilettes des garçons. Oh mince. Oh, elle vient de passer, je crois. Elle vient de passer. Oh non, mince. J'aurais voulu la prendre en vidéo. Je vais aller voir Adèle tout de suite. Adèle? Je suis désolée, Adèle. Sache que je suis témoin de tout ce qui vient de se passer. Oh non, désolée, ne pleure pas. Je t'interdis de décurer les toilettes. Franchement, c'est pas ton rôle. T'es un élève, t'as rien à faire à... Ça a pas. T'es ici pour travailler et pas pour faire les toilettes. Vraiment. Donc tu viens avec moi, on va essayer de trouver la... Viens. On va essayer de trouver le proviseur. Je vais lui dire... Mais j'ai pas pu prendre en vidéo. Secrétariat. Vous dites pas qu'il y a personne. Adèle, il y a personne? Non, il y a personne. Mais pourquoi? Je sais pas. Purée, bon bah s'il y a personne... Moi qui l'attends, le proviseur.
Ouais, je crois que c'est parce que c'est les premiers jours, et les premiers jours, il y a pas trop de monde. Ok, bon, bah, tu sais quoi, laisse tomber. Je sais pas comment on peut faire. Si quand tu vois le proviseur, tu lui dis. Au pire, je vais l'appeler en rentrant à la maison, ok? Oui. Ok, vas-y, bah, fais croire que tu décores les toilettes, mais c'est faux, d'accord? Oui. Putain, mais elle est folle, hein. C'est quoi cette histoire? Oh, Lexa, elle est en train de pleurer. Psst, Lexa! Lexa! C'est qui qui parle? Chut! Arrête de faire du bruit. C'est moi. C'est moi. Non, mais arrête de crier. Maman. Non. Elle est stupide, Lexa. Arrête d'ouvrir les portes. Mais j'ai pas fait exprès. Tu veux sécher les cours? Non. Assieds-toi sur la chaise et fais l'évaluation tout de suite. Ah non, mais franchement, ça me fait trop la peine. Vous savez quoi? Je vais espionner à Grosvieux pour voir si Grosvieux ça va mieux. Mais j'ai changé d'école justement par rapport à ça. Parce qu'il y avait des personnes bizarres dans l'autre école. Et bah, parce qu'aussi, maintenant, Lexa est passée au CP. Et Grosvieux est passée au collège en 6ème. Mais là, comment ça se passe? Ça se passe pas bien du tout alors. Voyons voir ce qu'ils font, les enfants. What? Pourquoi le meilleur ami de Grosvieux fait des bêtises? Pourquoi il a une bête? Toi, je t'ai vu. Toi, tu retournes. Grosvieux. Non. Tu retournes tout de suite à ta place là-bas. Et tu me donneras ton carnet en passant. Non, sale. Sale quoi? Non. Et toi là, tu vas me ranger ton cerceau, ok? Oh, c'est bon. Désolé. Oui, mais tu me donneras quand même ton carnet parce que ça se fait pas. Et toi aussi. Allez, s'il te plaît. Bon, ça passe pour cette fois, mais la prochaine fois, c'est une croix dans le carnet. Plus un mot des parents. Un mot des parents. Maintenant, tu vas t'asseoir, s'il te plaît, tout de suite. Ok, ça va pas. Bon, alors maintenant, on va faire de la physique chimie. Ah, la physique chimie, oh. Oh, cette matière de... Comment Grosvieux il parle? Pas cette matière de... Mais ça va pas, par contre, il parle extrêmement mal. Pardon? De quoi? Moi aussi j'ai dit youpi. Mais il a dit youpi. Ouais, bon, j'ai pas mis le nom du tas de la chance, hein. C'est vraiment des mythos, hein. Il a pas du tout dit ça, il a dit cette matière de bip. Il a dit un gros mot. Qu'est-ce qu'il fait Grosvieux là-bas? Il est sur ton téléphone ou je rêve? Donc, on va travailler sur la création de l'univers. Voilà, tu fais quoi? Mais c'est pas possible! Pourquoi t'es sur ton téléphone? Bah non, pas du tout! Non, c'est bon! Exclue-toi du cours! Tu sors de là, tu es en permanence, c'est bon, t'exclus! Oh, attends, exclu! C'est une blague! Non, t'es exclu! J'ai dit la première fois que ça passait, là, sur le téléphone, c'est... Oh non, il va me voir! Mais quoi? Mais c'est grave! Exclue-toi du cours! Trop de merde! Sale prof! Je vais aller dans ton directeur, mettre tout ce que t'as dit! Je vais me cacher, vite! Mais il est sérieux? J'ai rangé mon secret dans mon casier. C'est une blague, il est juste ici. Mais what? Mais c'est un malade, il a dit quoi? Il parle comment au professeur? Il va en permanence? Oh, y'a personne en permanence! Oui, il a tout le... Ok, et il va où? Il va faire quoi? Il va faire quoi comme bêtise? Non. Le professeur, il lui a dit, tu vas en permanence, et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller. Non. Il va faire quoi? Non, il va pas cliquer sur la sonnerie. Il va pas oser cliquer sur la sonnerie. Ça va sonner? Oh my god, mais c'est un malade! Mais non, par contre là c'est grave. Mais il vient de cliquer sur le bouton de la sonnerie alors que c'est pas du tout l'heure de la récréation. Là, les professeurs ils vont tous essayer de savoir qui a cliqué sur la sonnerie. Parce que là, tout le monde va aller à la récréation. Mais c'est des malades! Vraiment, entre Grosvieux qui insulte le professeur qui est sur son téléphone et qui fait des bêtises, et entre Lexa, bon après c'est pas vraiment la faute de Lexa parce qu'elle savait pas répondre à quoi entre 2 plus 2. Y'a rien qui va aujourd'hui. Heureusement que j'ai spionné parce que là, vraiment, le professeur il va m'entendre sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Grosvieux là, il va être puni. La cabane des punis, ça va pas lui suffire là. Franchement, là, je suis choquée. La récréation, je vais voir. Ah, ils sont en train de parler de quoi là? Ah, y'a les deux professeurs, ils parlent de quelque chose. Je vais écouter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tiens. Attends, mais pourquoi ils sont récré là? Pourquoi ça a dit que c'était la récré là? Bah, je sais pas, moi, ça sonnait et... Alors, il y a un enfant qui a dit ça, celui qui m'entend, c'est une exclusion du cours. Attends, je sais même pas où il est passé, il sait bien, il n'y a plus personne dans la classe, là. Bah, ils sont tous partis en récré, du coup. Oh là, il va être exclu du collège, oh là le directeur, il va être exclu du collège. Là. Hein, parce que celui qui a fait ça. Et toi, tu sais qui aurait pu faire ça, c'est peut-être un petit élève, non? Mais c'était Grosvieux. Je sais pas, mais peut-être c'est Adèle, parce qu'il est parti...
Après, moi, je sais pas, j'ai exclu un petit voyou, là, il est en salle de permanence, donc ça peut pas être lui. Mais mon enfant, c'est pas un voyou. Moi aussi, il y a une petite voyou, là, dans la salle, elle s'appelle Lexa. Elle fait n'importe quoi, elle parle. Apparemment, c'est sa sœur, oui, bon. Non, mais là, je parle de qui a fait ça. Oh là 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 là. Il y avait un élève qui faisait n'importe quoi, il racontait sa vie, il s'est cru dans les anges, ou je sais pas. Mais il racontait sa vie, du coup, je lui ai fait décorer les toilettes. Attends, mais quoi? Mais c'est un peu... Waouh! Tu fais ça à tes élèves, mais t'es pas bien, je veux te dire. Mais ouais. Et il a triché au contrôle aussi. Mais décorer les toilettes, c'est pas... Il a donné réponse. Attends, mais c'est pas de manière, monsieur le directeur, c'est ça, mais tu te fais virer directement, là. Mais aussi, il fait n'importe quoi. Mais... Oh, ah oui, non, c'est vrai, en CP, ils ont pas le carnet. Hein. Moi, j'aime bien mettre des petites croix dans le carnet là, parce que ils ont pas un carnet de correspondance, je sais pas quoi. Ça va pas, mais. Le carnet de bonbons, ça s'appelle, ah oui, je m'en souviens plus. Tu leur mets un mot dans le carnet de liaison et tu lui dis, ouais, je sais pas parler, bon, c'est pas grave. Tu leur mets un mot dans le carnet de liaison et tu préviens les parents, c'est tout. Et tu les mets au coin. Je vais les mettre en permanence, hein, je m'en fous. S'ils sont en CP, c'est une raison pour faire des bêtises. C'est grave, hein, la vérité, c'est grave. Je crois que j'ai décalé, je crois que je vais m'en aller. Au cas où, s'ils me crament, je vais aller regarder ce que font les enfants là-bas. Mais on est d'accord que c'est inadmissible ce qu'a fait la femme là. Inadmissible, inadmissible. Je vais aller à la récréation. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, ils sont tous mignons. Oh, ils sont trop mignons, ils jouent tous. Je vais me cacher derrière le tronc d'arbre. Ok, je vais me mettre là. Ok, parfait. Faut pas qu'on me voit. Alexa, c'est normal, j'ai vu ta maman passer. De quoi ? Bah j'ai vu ta maman passer. Non, t'as dû te tromper, c'est pas possible. Mais non, j'ai pu l'avoir vue. On va me voir, mais j'ai des cheveux roses aussi. Les cheveux roses, c'est cramable. Non. Oh mon dieu. Oh là là. Bah non. Mais moi je le dis, je l'ai vue. Ma maman, elle devait faire des vidéos et du montage. Mais c'est bizarre alors. Non, c'est pas des cheveux roses. J'ai vu une fille avec des cheveux roses. Bah, ça doit être quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnes avec les cheveux roses. Non, elle est trop mignonne, Lexa. Il y a personne qui a les cheveux roses en règle générale. Ok, bah maintenant je suis un petit peu bloquée. Si je veux sortir, là, je veux rentrer chez moi à la maison avec ma voiture. Et là, franchement, j'ai assez de preuves pour incriminer cette vieille professeure de CP. Donc je vais m'en aller. Je sais pas comment je vais faire parce que je peux pas rester. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a aux toilettes? Je peux pas passer. Là, il y a Grosse qui est aux toilettes. Là, il y a tous les enfants et je peux pas passer. Et là-bas, il y a les deux professeurs qui sont en train de papoter. Donc, si je marche, ils vont me voir et vont me dire: mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok, sinon, je vais me faire cramer par tout le monde. Non, j'espère pas. Au pire, je vais faire comme si de rien n'était et je vais marcher. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Ok, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. La 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 la. Il fait beau. Là-bas, il y a la maman de Grosse. Mais... Là, là, là. Oh non. Maman. Oh non, mais pourquoi ils me gonflent tous? Chut, arrêtez! Non, non, mais chut! Mais les enfants, ils sont... Mais chut, arrêtez! Les enfants, arrêtez! Bon, au revoir! Non, je suis allée voir... Ah oui, non, je suis juste... Bonjour! Je suis allée à l'administration, mais je me suis trompée, je suis en fait exprès, j'arrivais pas à trouver l'endroit, donc je suis allée à la vie scolaire, et après, je suis arrivée à la cour de récréation. Désolée, hein, du dérangement gros. Vous avez activé la sonnerie? La sonnerie? Comment ça, la sonnerie? Bah, je sais pas, vous étiez à l'administration. Ah non, j'ai entendu, il y a une sonnerie qui a sonné. Mais non, absolument pas, vous inquiétez pas. Sinon, il y a des caméras de... Ah non, c'est vrai, avec ces nouvelles écoles, il n'y a pas de caméras de surveillance. Bah, je sais pas trop. Bon, je vous laisse, bonne journée. C'est normal qu'il y ait des enfants qui essaient de rentrer dans ma voiture. Ah non, ah, par contre, je veux ce truc, vous retournez tous. Gros yeux, tu fais quoi là? Oh, va tout de suite dans la classe. Tout de suite, dépêche-toi. Bonne journée, au revoir. Lexa, tu sors de la voiture. Lexa, tu crois que je t'ai pas vu? Voilà. Malade. Au revoir. Lexa, bisous. À ce soir. Oh my god. Ok, maintenant je m'en vais. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.